Bon, on y va là, allez, on tourne. Qu'est-ce qu'elle fait là par terre en train de jouer? Ça se passe bien ce tournage? Bah super, c'est génial. Je suis sympa? T'es très sympa. Moi je suis sympa? Oui. Parce que visiblement moi je fais peur, je suis méchante. Non, ça va, t'es sympa. Ah ouais? Ouais, ouais. Et en plus... Authentique. Voilà. Et en plus, quand t'es arrivé, t'avais des a priori. Non. Enfin si, tu me voyais pas tel que je suis là actuellement. Peut-être. Allez, remue-toi, on tourne. On est dans l'un des endroits que je préfère à Dubaï, pas loin du Burj Al Arab. Là, on est devant la mosquée, on va aller se promener, il y a la plage derrière. Et trop beau! Vous vous rendez compte, c'est immense, hein. Et là-haut, c'est la piste d'hélico, le rond là, qu'on voit en haut. C'est dingue. Alors là, on est vraiment clairement dans l'un de mes endroits préférés ici, les puces. Il y a plein d'endroits que j'aime pas ici, mais alors celui-là, je l'adore. Trop trop beau. Pour manger le soir et tout, il y a des petits restos pour boire des verres et tout, c'est trop sympa. C'est le Souk Madina Jumeirah. C'est trop beau ici. Oh my god, journée de tournage terminée les puces. On a commencé ce matin à tourner à 7h. Il est 18h10. On a donc tourné 11h. C'était tellement long, mais franchement c'était hyper intéressant. On a parlé de religion, de couple mixte, parce que Wafa est en couple avec elle est musulmane et elle est en couple avec quelqu'un qui est athée. On a parlé de maternité, on a parlé de la vie à Dubaï, tout ça. Demain, je tourne un nouvel épisode de Baby Story aussi avec quelqu'un d'autre. Je vous révélerai son identité demain. Mais c'était cool et donc là, on vient d'arriver à l'hôtel. Je l'aime trop cet hôtel, il est canon, il est immense, tout est démesuré ici, je vous jure. Les ascenseurs sont trop stylés. Enfin voilà, ce soir on va manger dans l'endroit que je préfère ici, comme je vous disais. Vous savez, le petit souk là, avec les petites maisons là, enfin les petits bâtiments couleur terre cuite et tout. C'est trop beau là-bas, j'adore. Donc on va aller boire un verre et manger là-bas. Puis ensuite je vais essayer de dormir parce que cette nuit j'ai dormi 4 heures. Donc je vais essayer de dormir un peu pour le tournage de demain parce que demain, pareil, on tourne à 7h du mat. Je pense qu'on va finir bien tard. Donc voilà. Ah, mon caméraman qui part dans sa chambre, ils l'ont changé de chambre. Moi, j'avais pas d'eau chaude ce matin dans ma chambre, non mais j'ai toujours une chance avec les hôtels. Il n'y avait pas d'eau chaude, du coup j'ai été gueulé et tout. Oh, le miroir, trop stylé. Enfin voilà les puces, donc j'ai pas changé mon avis sur Dubaï, j'y vivrai toujours pas parce que c'est pas mon truc, mais il y a des petits endroits que j'aime bien comme ça, et c'est vrai que quand je peux allier comme ça le travail, les tournages avec un peu de plaisir, aller se promener dans les souks et tout, la vieille ville et tout ce soir, c'est cool, ça me permet en plus de décompresser un peu avant le prochain tournage. Donc je suis quand même content d'être ici, mais définitivement, je ne verrai pas y vivre quoi. Je retrouve ma chambre, attention. Hey, hey! Canon! Trop hâte d'y dormir ce soir, trop hâte de dormir tout court en fait, je crois. Nous sommes de retour, il est content, il a fait une story. Hein. Nous sommes de retour à cet endroit. Le soir, c'est encore plus beau, il va s'allumer tout à l'heure et tout, il a changé de couleur toute la nuit. On est de retour là, on va manger là ce soir. Parce que vraiment, comme je vous dis, j'aime trop. Voilà, voilà. Oh putain, non, il va m'emmener dans les souks. Ça va faire comme mon ancien caméraman quand j'étais allé à Dubaï, il m'avait trimballé dans des souks pour acheter des baskets de contrefaçon. Tu vas acheter quoi toi du coup? Des packs de la contrefaçon. Non mais tu vas prendre quoi? Je sais pas encore. Des tenues un peu non traditionnelles et tout? Ouais, je pense. Une chicha? Non. Non? Il y a des beaux trucs en tout cas, mais moi je ramène pas de souvenirs. Une sculpture peut-être pour chez toi? C'est non, un lion. Tu vois, il y a plein de trucs là, un petit chemisier blanc peut-être. Il y a plein de trucs. Moi, je ramène jamais rien, vous le savez, les puces. Flemme. Oh mon Dieu, alors ça, peut-être que je vais le ramener, en fait, tout compte fait. Ma passion, les gâteaux comme ça. Les pâtisseries orientales. Oh, trop bon, tout, j'adore. Ah ouais, ça te va bien. Pour le coup, tu vas le prendre? Je te vois bien et tout, franchement, à Dubaï comme ça et tout. Non, mais tu l'as mal mis, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas du tout comme ça. Je crains. Voilà. Non, c'est mal mis. Non, mais ça, c'est des porte-monnaies, enfin des petits trucs. On essaie d'une vulgarité. Mais qui c'est qui trimballe ça? On dirait du Philippe Lain ou du Christian Audigier. Enfin, je peux pas. Mais c'est trop canon.
Il chante bien le monsieur là-bas. Hein. Mais je crève. C'est pas la première fois que je croise quelqu'un qui s'appelle Traîner. Ça doit être dur à porter. Regardez où on mange ce soir. Trop bien. Puis alors en plus, il chante trop trop bien. Le cadre est canon. Oh, j'adore cette chanson. C'est trop romantique. Hein? Et mal à l'aise, les gens nous prennent pour un couple. Non mais je crève. Bonsoir. C'est pas ce que vous croyez hein. Ah maintenant c'est sûr. Allez, c'est cadeau les puces, regardez ce changement de couleur là. On est sur du bleu, on est sur ensuite hop là, ça passe en petit rosé. Un peu rose. C'est trop beau. Mais trop bien. Je peux pas rêver mieux comme vue. J'adore. Oh là là, Pollux, là, elle aurait adoré toutes ces conneries. Oh là là, elle aurait aimé. Ça brille, c'est petit, ça coûte cher. Putain, votre pote, il m'aura poussé à bout toute la soirée. Il achète des trucs partout. T'as acheté quoi? Hein? T'as acheté quoi? Rien. Rien, en plus rien. Tu me fais boire autant de temps pour rien. Mes puces, je viens de rentrer à l'hôtel. Ouais, on est sérieux, je suis couché comme les poules, là, 22h30, je suis déjà dans mon plumard. Mais bon, je vais pas aller en boîte, hein. Demain, tournage encore à 7h du matin. J'aimerais bien faire une petite nuit, là, d'au moins 6h, donc, le temps de m'endormir et tout. Voilà, pour un nouveau tournage, donc, demain. Je suis content, j'ai quand même un petit peu pu profiter ce soir. J'essaierai demain soir aussi de profiter d'aller à la tour Burj Khalifa parce que c'est toujours hyper beau le soir avec les spectacles de Fontaine. Voilà, je vous dis donc à demain les puces, le GG travaille, le GG vous concocte de nouveaux reportages. Il est 6h50, j'attends mon caméraman qui arrive là-bas dans son ascenseur, son suppositoire. Voilà, et nous partons donc en tournage. C'est parti, donc 7h du matin là quasiment, on y est au moins jusqu'à 19h. Et puis demain on repart déjà en France, hein. Je vous avais dit c'est express, là il y avait juste deux tournages à faire et puis après go. Donc c'est parti. Alors ici à Dubaï, 7h du matin, il fait soleil comme s'il était 10h quoi. Il fait déjà une chaleur, enfin c'est assez ouf. Et la deuxième invitée de mes baby stories, Bogdanov. Ça va ma belle? Ça va et toi? Je l'ai sortie du plumard, regardez, elle est en train de déjeuner, elle n'a pas eu le temps, elle n'a rien eu le temps de faire. On a déposé les gosses à l'école et à la crèche. Et, eh bien, nous sommes en immersion aujourd'hui. Exactement. Voilà. Il en a déjà plein la tête, les cris des enfants. T'en as un, mais il est agité. Hein. Oh là là, heureusement, là, on a quelques heures de répit avec l'école, mais je rentre chez moi avec un mal de crâne. Hein. Voilà, ce soir, ça va être quelque chose. Hein. Oh putain de merde. Et ce soir, on mange ensemble. Oui.